Je vous laisse avec les grands qui vont vous expliquer. Je vais pas commencer par grand chose avec mes veilles. Là, quand même, elles sont derrière une vitre. Bonjour. Là, il y en a une, elle a du pollen. Là aussi, il y en a un. Ouais, elle vient dans son vitre. Oh, elle est là, la reine. Ah, regardez, là, il y a la reine. Là. Regarde. Regardez, elle se déplace. À quoi tu la vois? Elle a un point jaune sur, sans le sur elle. Alors elle est en train de pomper ou pas alors? Voilà, super. Allez, va. C'est 2 000 par jour, je crois, c'est ça? C'est ce que l'apiculteur m'avait dit, je sais pas. Et là, il y a autant d'abeilles à l'intérieur qu'il y en a dehors qui butinent. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la nuit, la ruche, elle est pleine. Elles sont presque 20 000 la nuit. Là, on a compté, on a fait une estimation, mais il n'y avait pas eu autant de naissances. On était à 14 000 en juin. Là, on va reprendre les photos, quadriller, compter et tout. On doit être à 20 000 là. Environ 20 000. Environ 20 000. Là, on est sur quasiment la même colonie que quand il est arrivé avec les seins. Et à la fin juin, on sera au maximum. Après, ça va décliner un peu. Ah, elle donne le nectar. De 4 à... Ça, allez, de 3 à 6, 7. Le record d'une reine, c'est 8 ans. Mais en fait, au bout de 3 ans, celui qui fait du miel, c'est une reine de l'année parce qu'elle a un point jaune. Et donc il y a un code couleur. Voilà, et c'est l'année jaune là, cette année. Donc elle, c'est une reine de l'année qui est quand il y a... Ah ben la reine, elle est hyper là. Voilà. On vient de la voir il n'y a pas longtemps. Avec, vous y voyez mieux avec la loupe? Là. Vous avez? Trop ouais. Forte. Elle est là. Tu les as bien vues? De l'autre côté. Voilà. Et du coup, quand tu es dans la reine, tu fais là. Regarde. Tu viens? Et la reine, elle est plus grosse que les autres abeilles. Ici. Il y a les faux bourdons aussi qui sont plus grosses. Et pourquoi elles sont malades, elle est là. Et dans le tuyau aussi. Normalement, regarde. Dans le tuyau, il y a. Regarde, là, c'est le corps de la vie. Tu peux regarder. Et là, regardez. Et là, elle nettoie, regardez. Elles nettoient les alvéoles, là. On voit leur dard. Elles sont pas en train de naître, elles sont en train de nettoyer. S'il y a eu des naissances. Il y a des nettoyages devant la ruche aussi. Essayez de repérer des naissances, il doit y en avoir. Prenez le couvain un peu marron, transparent. Les métiers de l'abeille, c'est ça. Il y a plusieurs métiers. Il y a des nettoyeuses. Qui sortent pour... Elle est butineuse. Mais quand la reine qui a un point jaune reste avec son point jaune jusqu'à sa mort. Mais quand il y a la naissance d'une reine de l'année, en fait, hein, quand on voit une cellule royale et que la reine naît, on lui met la couleur de l'année. Et regardez, observez. Regardez, là, vous pouvez toucher, écouter ton oreille. Tu peux même sortir avec ton nez. Vous connaissez les trucs pour les abeilles, vous sentir? Parce que c'est par là qu'on regarde. Tu vois même la reine de l'autre côté. Tu peux toucher? Oui, oui, vas-y, regarde. Oh, il y en a une qui met la tête. Elle va faire du bien. Elle va faire du bien. La reine est toute là. Il y a du miel qui a poussé ici. Non, surtout elle, elle est beau. Et là aussi, ils sont poussés les miels. Ah oui, et là aussi. Oh, je crois que c'est la
la tête dedans. Pourquoi c'est la belle là? Le miel, il est là. Là, il y en a qui vont sortir du tunnel. Et il y en a qui vont. Si, ils sont enfermés, les abeilles. Parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils vont butiner? Bah, pour prendre le miel. Il y a un petit qui il a fait ça. Celui-là, il est tout seul. Tu as montré? Je vais en prendre un pendant que tu... Laisse encore, il y en a encore dessus. C'est pas bon? C'est pas bon? T'en veux? Tu ouvres la bouche? Tu veux un autre? Je vais la ranger dans mon sac. C'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? Oui, je vais goûter. Magnifique. Laisse-moi. Ouvre la bouche. C'est bon? Laisse encore, laisse. Tu veux en goûter un autre? Mettez-les là, en attendant. Ouvre la bouche, ouvre la bouche. Merci. C'est bon? T'aimes? Tu veux goûter un autre? Voilà. Amélia. Amélia, à son tour à la rue. Si elle a trouvé un beau chant, elle indique aux autres sa direction en dansant. Donc ça, là, c'est quel chiffre? Oui. C'est le chiffre 8. En gros, elle fait une danse en 8 pour appeler ses copines parce qu'elle a trouvé un bon champ. Et en gros, là, on lui a fait un petit zigzag, ça indique le nombre de kilomètres. Alors, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez aimé faire? Le dessin. Quoi, le dessin? Le dessin. Voilà, c'est le dessin. Le dessin. Le dessin. Bon. Voir les abeilles. L'apiscope. C'est difficile comme mot. Apiscope. Les bougies, d'accord, super. Alors, les dessins et les bougies, elles sont là. Et vos maîtresses, les adultes vont les emmener. Vous pourrez les récupérer à l'école. Vous les emmènerez certainement chez vous, je pense. Hein. D'accord. Voilà. Donc, ça, vous allez pouvoir l'emmener. Et les dessins,
il va falloir, avec à l'école, là, je pense que vous allez les découper, vous allez les fabriquer. D'accord ? Vous dites merci, les enfants. Merci.